Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Nuttall Game. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 idées que j'ai eues, des idées de cosmétiques qui seraient sympas à rajouter dans Fortnite à mon avis. Et ne me demandez pas pourquoi 7, c'est juste parce que j'ai 7 idées, hein. C'est juste pour ça, n'imaginez pas les théories du complot, hein, ok. Et je vais vous présenter mes 7 idées alors, du moins bien au meilleur pour moi. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Bah oui, il faut savoir, hein. Vous pouvez me dire s'il y en a que vous trouvez bien, d'autres que vous trouvez moins bien, mais bien encore, d'autres que vous aimez pas. D'autres qui seraient genre hyper bien, non mais genre Wood et Epic Games, pourquoi j'avais pas pensé dès le départ. Bon, bref, des trucs comme ça. Et donc, on va commencer, c'est parti. Marqueur de la map, c'est tout simplement la possibilité de modifier la forme du marqueur de la map. Et pas la couleur, parce qu'il y a déjà des couleurs prédéfinies pour les coéquipiers. Voilà. Et cela pourrait être sympa parce que déjà c'est un petit détail de personnalisation. Et comme je dis souvent, les petits détails, bah, ça fait le jeu. Et en plus, ce serait bien de voir du coup les autres marqueurs, bah, des coéquipiers qui sont rendus en section 50-50. Et donc, ça prend un peu comme la bannière. Sauf que là, du coup, c'est le marqueur. Et il y a plein de possibilités de personnalisation que l'on pourrait débloquer avec le marqueur. Et moi, je trouve que ce serait vraiment cool. La musique du Battle Bus, c'est la possibilité de modifier la musique du bus, mais pas son affichage par contre, parce que son affichage, ça change en fonction des événements. Mais par contre, la musique, bah, ce serait bien de pouvoir la modifier, donc d'avoir une musique prédéfinie, ou alors la musique du lobby, la musique qu'on a déjà dans le lobby, donc dans le Battle Bus. Et moi, je trouve que ce serait vraiment sympa. L'animation de mort, ou alors l'animation de quand on quitte un groupe, ou alors que l'on se fait exclure, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir changer l'animation de ces situations. Et donc, je trouve que ce serait assez bien de ne pas avoir tous la même animation de quand on tue quelqu'un, l'animation du gros drone qui arrive et puis qui nous emmène là. Et voir du coup quand on tue un ennemi, voir notre ennemi mourir d'une autre façon et pas comme d'habitude. Moi je trouve que ce serait vraiment super bien. Le chapeau, c'est simple, c'est comme les sacs à dos, sauf que là bah, c'est un chapeau. Et donc les chapeaux, on peut les ajouter à nos skins, comme les sacs. Et donc, j'ai d'ailleurs quelques idées, comme par exemple le bonnet du Père Noël, une couronne, un gâteau sur la tête, un casque, etc. Il y a tellement de possibilités, et on a plein. Les poses de victoire, c'est au lieu de faire un émote à la fin quand on gagne, c'est avoir une pose prédéfinie, une pose de victoire, qui se lancerait. Et là encore, il y a plein de possibilités de poses de victoire possibles. Et les victory poses en anglais sont déjà dans les fichiers du jeu depuis longtemps, mais ils n'ont jamais encore été utilisés, et je pense que si Epic Games les ajouterait, ce sera le feu. L'animation d'apparition, ou alors l'animation de quand on rejoint un groupe, c'est de pouvoir modifier ces animations comme l'animation de mort. J'ai quelques idées d'ailleurs, comme là, arriver grâce à une faille, ou alors arriver en planeur, ou encore arriver en retirant l'effet des cubes cosmiques de la saison 6, les cubes du cube, c'est un peu bizarre. Et je pense qu'ajouter ça à Fortnite, ça donnera encore plus de fun et de plaisir au jeu, et plus de personnalisation. Les viseurs, c'est une idée que j'ai eue il y a assez longtemps. C'est encore, comme son nom l'indique, la possibilité de modifier les viseurs de chaque arme. Fusil à pompe, d'assaut, de sniper, etc. On pourrait modifier la couleur du viseur, rouge, bleu, arc-en-ciel, mais aussi la forme du viseur. Et sachant qu'ils ont déjà ajouté les skins d'armes et de véhicules, ils peuvent ajouter les viseurs et ce serait trop bien. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous ai montré mes 7 idées qui seraient sympas, 7 idées de cosmétiques qui seraient sympas à ajouter dans Fortnite. Je pense qu'ajouter tous ces cosmétiques, ou même en ajouter 2 ou 3, ça pourrait déjà, un bon point, rendre Fortnite beaucoup plus personnalisable, beaucoup plus libre, et comme ça tomber sur des joueurs avec d'autres goûts, d'autres
d'autres personnalisations choisies et tout. Et donc plus de diversité. Et aussi, autre point bien, c'est que du coup, le pass de combat de Fortnite aura beaucoup plus de choses intéressantes. Parce que c'est vrai que le pass de combat, souvent, il y a beaucoup de tags, beaucoup d'émoticônes que pratiquement personne n'utilise. Je suis sûr que vous l'utilisez une fois par saison, chaque tag et encore. Et donc, ajouter des cosmétiques, ça donne beaucoup plus de choix dans le pass de combat et beaucoup plus de choses bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.